Eh bien salut à tous, c'est Max Game, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de mon let's play sur Stranded Deep. Alors la dernière fois on s'était arrêté justement à la création d'un abri, enfin un petit abri pour dire dormir et sauvegarder, et d'un solar steel avec un feu de camp. Feu de camp que nous allons par la suite, avant qu'il fasse nuit, d'ailleurs il est quelle heure dans le jeu? 11h42, ok, on a encore un peu de temps. Feu de camp que nous allons donc recharger avec du bois, et pour ça, pour avoir le bois, il va falloir couper des arbres, donc création d'une hache obligatoire, pardon. Donc c'est parti, on y va. Il y a un serpent, il y a le serpent juste là. Waouh, d'accord, je vais pas t'embêter, t'inquiète pas. Hop. Pour ça, alors pour la tente, enfin pour la... Mort de rien. Pour la hache, je vais avoir besoin de mon couteau. Récupérer. I need to find water. Ah mince, il a soif. Ok. C'est pas grave. Hop. On va récupérer ça. On va peut-être s'éloigner un peu du serpent. Voilà. Je récupère des pousses de palmier. Et c'est parti. Hop. Je vais peut-être récupérer un peu de pierre pour tout à l'heure. Puisqu'il va me falloir un marteau pour construire. Donc voilà. Deux pierres, c'est suffisant. Et peut-être récupérer encore un peu de rope. Enfin, de rope. De comment, de pouces. Vous voyez, le pin tree, ce qui est bien, c'est que ça va me donner plusieurs pouces. Ou alors non, je me suis trompé. C'est pas celui-là. Hop, et là, je vais découper tout ça. Je vais. Il me fallait... Ah, ce qu'il y a, c'est que je veux pas... Je veux pas me retaper le serpent. Je vais prendre cette pousse-là. Je l'entends, il est juste là. Je sais pas où il est, par contre, là. J'ai dû... On n'est pas assez de vente d'alarme. Bon bref, je vais créer ma hache, récupérer la masse de bois. Mince, je vais ramasser mon couteau. Ma hache, non, pardon, c'est C. Je vais créer ma corde. Voilà, reviens là, ma corde. C'est parti, on va créer une hache. Il nous fallait une corde, un stick et deux morceaux de bois. Enfin, deux morceaux de couteau, on va dire. Je pose ma hache, je la récupère. Voilà, je la prends. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est... Tout ce qui est bois, je vais le poser par terre. Ok, la ressource ne va pas s'en aller, ne vous inquiétez pas. Je prends ma hache. Hop, et là, c'est parti. Je vais me dépêcher. Non, d'abord, il fallait que je prenne mon seau et que je puisse boire un coup. Voilà, j'ai bu un coup. Je repose mon seau par terre. Sachez, petite astuce pour ceux qui galèrent à créer un solar steel et qui en ont marre un peu d'attendre ou autre, vous pouvez désormais... faire tomber votre seau droit comme ça, une fois que le temps sera couvert et qu'il va pleuvoir, le seau va se remplir directement. Ce qui peut déjà vous faire gagner du temps. Sinon, ce que vous faites, c'est vous prenez une noix de coco, comme celle-ci, prenez votre hache ou votre couteau, n'importe, vous la cassez, vous la prenez pleine comme ça, vous la prenez en main, vous faites un clic gauche et il boit un coup. Vous pouvez boire qu'une seule gorgée avec la noix de coco. La noix de coco, ensuite, moi, je la repose par terre, et si je suis en galère de nourriture, je viendrai casser la noix de coco en plusieurs morceaux pour la manger. Ce qui permet de réussir à survivre comme on peut. Donc c'est parti, là je vais couper du tronc d'arbre. Donc je dois détacher d'abord le tronc, en deux parties. Voilà, et ensuite couper. Ce que je vais faire ensuite... Comme les éléments qu'on pose au sol ne vont pas disparaître, je vous rassure. Donc ce que je vais faire pour aller plus vite, c'est je vais prendre tout ça. Je vais même plus vite à les prendre sur moi et après les lâcher. Les sticks, je les pose, je fais un tas au sol, proche de l'endroit où je vais construire la prochaine cabane. Ensuite je vais créer le marteau pour vous montrer. Et pour la partie avec la cabane, je ferai un petit time lapse, pardon. J'ai du mal à le prononcer ce mot. Comme ça, vous allez voir la création de ma base en accéléré, ce qui fera gagner énormément de temps pour la vidéo. Voilà, je pose tous mes morceaux de bois ici. On est tranquille avec ça comme ça. Je vais récupérer de quoi me faire encore une corde. Vous voyez, je vais récupérer ça. Un normalement, puisque j'en avais ramassé un tout à l'heure, un en plus. Il y a une pousse juste ici. Voilà, hop, je récupère.
Hop, mon bateau il est là. Mon campement est là-bas. Ah, attends, je peux au moins. Ouais, je peux déjà me faire ma corde. Je vais la faire. Hop. J'ai ramassé tout à l'heure 2 cailloux pour être sûr d'avoir assez pour pouvoir créer mon marteau. Pardon. J'ai toujours envie de dire ma hache. Là, vous appuyez sur C. Je viens choisir mon marteau. Pardon. Il est là. Je le pose par terre, je le récupère et c'est bon, on va pouvoir construire. Donc là pour l'instant j'ai pas encore suffisamment de bois pour faire pas mal de fondations. Ce que je vais faire c'est je vais recouper un peu d'arbres. Tout d'abord avant de couper les arbres je vais vous montrer, déjà je vais vous expliquer, pardon, je parle un peu vite, désolé. Je vais vous expliquer comment créer des fondations via le marteau. Quand vous avez le marteau en main, vous appuyez sur la touche C, il va vous ouvrir tout de suite la partie building. La partie building, vous voyez là, j'ai suffisamment de bois là, à portée de main pour créer des fondations. Les fondations vont me permettre de poser ma structure au sol. Et ensuite, quand vous venez là sur fondation avec ma souris et que vous faites aller la molette de la souris, vous pouvez choisir après tout ce qui est mur, fenêtre. Vous voyez les fenêtres, les murs, l'arcade, la porte et les escaliers. Et après, à partir de ça, vous lancez dans la construction de votre maison. Donc moi ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais m'arrêter de parler et je vais vous laisser observer avec une petite vitesse. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure, c'est parti.
Et voilà, mes amis, la petite cabane, elle est faite. Alors, j'ai voulu, comme vous avez pu le voir, j'étais en train de faire le tour de l'île parce que j'essayais de récupérer encore de quoi faire une corde. Comme vous pouvez le voir, oui, voilà, la cabane est finie. Je l'ai pas faite comme je voulais, mais ça viendra, je le ferai hors épisode. Je voulais mettre un étage, mais en fait c'est juste après que je me suis dit il fallait deux trous là ici. Mais j'ai la flemme de tout casser, je le referai plus tard, ou alors je referai une. Je continuerai à faire une fondation sur le côté, remettre un escalier et ainsi qu'un étage. On va aménager un truc cool. Sachez une chose, ce que j'ai oublié de le mentionner, les armes se détériorent, pardon. Quand vous appuyez sur table et que vous regardez sur par exemple ma hache, vous voyez c'est marqué Tool et il y a marqué 63,33% durabilité. Donc il me reste 63% de ma hache avant qu'elle ne soit cassée. Donc tout à l'heure, je ne m'en rappelais plus du tout. Donc pendant la nuit, quand j'étais en train d'essayer de récupérer des arbres, j'ai dû rechercher justement des matières pour pouvoir recréer mes outils. Donc voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est déjà récupérer ces noix de coco. On va les poser ici. Sachant qu'il a plu, mon solar steel est bien rempli. Vous voyez, encore une goutte d'eau et il sera au max. Et donc, je pourrais boire à ma soif. Je me suis fait attaquer par un serpent, je sais pas si vous avez vu ou si vous avez eu le temps de voir, mais bref, je me suis fait attaquer par un serpent puisque j'ai avancé trop près de lui sans faire attention. Donc j'ai eu droit au coup de croc. Voilà. Donc là, je récupère une noix de coco, vous voyez, je les rajoute ici. Il est quelle heure dans le jeu? Il est midi 12, midi 13, ok. J'ai absolument soif. Je vais prendre mon seau que je n'ai pas réussi à récupérer tout à l'heure. Oui, il y a un bug, j'arrive pas à le récupérer là. Je vais peut-être prendre juste ma main. Et il veut pas. Voilà. Je vais remplir mon seau. Et je vais boire. J'ai plus d'eau. Voilà, nickel. Je vais faire en sorte de le lâcher au sol pour qu'il soit droit. Voilà, parfait. Et moi, c'est pour l'instant sur ce petit, cette petite vue que je vais vous laisser. Et on reprendra sur l'épisode 3. On essayera de créer un lit. Une sorte de petit fumoir pour la nourriture. Et ensuite, on partira à la pêche. Voilà les amis, moi je vous laisse sur cet épisode et je vous dis à très très bientôt. Merci pour ceux qui laisseront des commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et à partager ma vidéo. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!